Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 43, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la maison hantée de Mark Twain. Alors, avant d'entrer un peu plus dans les détails de cette maison, sachez que Mark Twain n'est autre que l'auteur des aventures de Tom Sawyer, qui met en avant un jeune garçon orphelin, devenu un symbole de liberté dans la culture populaire. Il s'est en fait inspiré de la vie de son ami du même nom que son personnage, Tom Sawyer Spivey, et a commencé sa rédaction à partir de 1876. Suite à cette petite anecdote, passons désormais à la demeure qui nous intéresse en question. De style gothique et située à Hartford dans le Connecticut aux États-Unis, c'est ici donc qu'a vécu l'écrivain Mark Twain de son vrai nom, Samuel Clemens, entre 1874 et 1891. Une maison aux allures d'un manoir, car elle posséderait pas moins de 25 pièces. Pourtant, l'auteur dut la quitter subitement après avoir appris le décès de sa fille Suzy d'une méningite lors d'une tournée en Europe. Traumatisé par la perte de son enfant, il décida de la mettre en vente en 1903 et de ne plus jamais y remettre les pieds. Après le départ de Mark Twain, la maison a servi par la suite de pensionnat puis de bibliothèque jusqu'en 1960 où elle fut transformée en un musée rendant hommage à son ancien propriétaire. Ce serait depuis cette date qu'ont commencé les premiers phénomènes paranormaux. Les membres du personnel du musée ont perçu des odeurs de tabac inexplicables, essentiellement dans la salle de billard et le bureau de Mark Twain. Ils sont d'ailleurs convaincus que l'esprit de ce dernier hanterait les lieux, malgré qu'il en soit parti officiellement en 1903. Pour ma part personnelle, il n'y a rien d'étonnant à ce que son fantôme se manifeste dans sa maison. En effet, il a vécu de son vivant énormément de bons souvenirs avant d'apprendre la nouvelle tragique de la mort de sa fille. De plus, c'est également dans ce lieu qu'il a trouvé l'inspiration pour son roman et le moyen de se défendre... de se détendre après ses heures de travail. D'où le fait que l'entité de l'écrivain se manifeste dans les endroits de la demeure où il passait le plus clair de son temps, soit la salle de billard et le bureau. Mais ce ne sont malheureusement que les seuls phénomènes récurrents qui ont été constatés par les salariés du musée. Ceux-ci ont également été témoins de l'apparition fantomatique d'une femme vêtue d'une nuisette blanche datant de l'époque victorienne, soit le 19e siècle. Ces derniers ont affirmé qu'il s'agirait de l'esprit de la fille de Mark Twain, Suzy. Là encore, de mon point de vue personnel, il n'y a rien de surprenant que cette entité puisse être la fille de l'écrivain, puisqu'elle-même, avant d'être tuée par une méningite, a aussi vécu de bons moments dans cette maison. Cependant, il est difficile d'affirmer que les entités qui se manifestent dans cette demeure puissent être celles de l'écrivain et de sa fille, car n'oublions pas qu'après la mise en vente de la bâtisse par Mark Twain en 1903, elle a été reconvertie en pensionnat puis en bibliothèque. Et il est fort probable que des personnes aient pu finir leur jour. De plus, Mark Twain avait décidé de son vivant de ne plus revenir sur les lieux. Et en dehors du témoignage des employés du musée, personne d'autre n'a été témoin de ces phénomènes, à ma connaissance, pas même les visiteurs. Des enquêtes paranormales ont certainement été menées dans ce lieu, mais je n'ai malheureusement trouvé pas davantage d'informations à ce sujet. La seule chose que je peux vous affirmer est que la maison de Mark Twain peut être visitée, et que le musée proposerait d'ailleurs un programme du nom de Graveyard Shift Ghost Tour, afin de vous présenter la demeure de l'auteur. Je peux d'ailleurs vous transmettre le lien du musée pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.